Bonjour mes tutucioles, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on est en compagnie de monsieur. Coucou. Et comme dans la précédente vidéo, j'avais dit on allait faire une dégustation de Kellogg Zero comme ceci. Hop, voilà. Hop, la boîte est trop jolie. Il y a un truc que j'ai envie de faire. Voilà. Et du coup, dedans on a une petite Ketchen. De zéro. Du coup, on va ouvrir ça en douceur. Parce que monsieur va râler. Hop, en douceur. Hop, 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 hop. Moi qui goûte d'abord. C'est cher, moi. Voilà. Elle est mise à côté du paquet. Elle est, ouais. Voilà. Enfin, c'est pas une. Kellogg's comme ceci. C'est pas une Ketchen en fait, à proprement dit. C'est une mini pop en fait. C'est un genre de mystery mignon, on va dire. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est plutôt ça. Oui. Parce que si tu fais pas... voilà. Notre petit zéro. Et là, focus fait sur la figure. Notre petit zéro. Hop, voilà. On n'a pas beaucoup de lumière, mais c'est à cause du temps. Du coup, voilà nos Kellogg's. Ça se trouve comme ceci. Hop. On va goûter ça. Le zéro est glow, mais on le voit pas. Non, ça va être genre un coup. Oh, tire-moi l'objectif. Non, on le voit pas. Tiens ça. Je vous montre de plus près à quoi ça ressemble. Voilà. Ça a l'air que l'ox normal. Il y a un goût. Mais je sais pas de quoi. C'est écrit dessus normalement. Parce que c'est en anglais. Ça fait un peu penser à un bonbon. Il est multi-céréales. Ouais. C'est pas dégueulasse. Ça a un goût spécial quand même. Ouais. Au début, ça me fait penser un petit peu à un bonbon d'une chic. Sur le début. Après. Pour moi, ça fait comme une chic. Que je connais, mais je ne sais plus le nom. C'est un goût de bonbon. Je suis sûre et certain que c'est un goût de bonbon. Non, c'est un goût de Kellogg, mais c'est. C'est à cause de d'autres choses en fait. Déjà, la couleur, ils sont blancs. Ils sont blancs, ouais. Bien blancs. J'essaie de vous montrer dans le sachet. Comme ça. Ils sont ronds. Farine de maïs. Ils sont bien ronds. Farine de blé enrichie. Il y a un truc pour réduire le fer présent dans tout aliment. Hein, parce qu'il y a un peu de fer dans certains aliments. Mais le goût, j'arrive pas à... De l'acide fluorique, il y a du sucre de canne aussi, du sel. Ouais, mais moi je m'en fous, je veux savoir ce qu'il y a. Ouais. Le goût. Il n'y a pas... Et en calories... 90. C'est ça? 90. Ouais. Mais le goût, franchement, c'est imprononçable. Ouais, 90 pour 28 grammes. Donc ici, il faut faire fois 8. Donc ça fait... Moi, pour moi, c'est un goût de bonbon. Lui, il va finir le paquet. T'as tout compris. Ouais, parce que moi, je mange de tout, hein. C'est un peu notre poubelle de table. On va dire. C'est pas dégueulasse, mais avec du lait, je pense pas que ce serait bon. Je suis pas hyper fan, mais. T'aimes pas? C'est bizarre. Bon, on va pas quand même tout manger. Ouais. Parce que là, il est quand même 1h30 et on n'a pas encore mangé. C'est le truc que j'ai fait, en fait. On va aller manger après cette vidéo. C'est pas dégueulasse. C'est pas un truc que je mangerais en grande quantité. En grande quantité. C'est la première fois qu'on essaye des Kellogg's. Non, on avait essayé des Kellogg's. Non. De Mario. On les avait pas pris. On les avait pas pris? Non. Mais heureusement, le petit Ketchen, c'est même pas un Ketchen du coup. En fait, on a la version Ketchen. Ouais, on l'a là. Mais c'est la même.
bien sûr il shot dedans. Et la mini pop, normalement c'est une pop, hein. Ils appellent ça pop, mais Oui, c'est une mini pop. Ici c'est un jeu. C'est la même en fait, hein. Quasiment. Avec les yeux. Voilà la Keychen, à quoi ça ressemble. Alors, je vais pas l'ouvrir. Quand on voit à côté, voilà. Ça a quasiment la même taille. Ouais. Sauf qu'en fait, il y a une différence au niveau de la bouche. Ouais, mais minime. Et la plus grande, c'est au niveau des yeux. Là, ils sont plus, ouais. Plus grands. Ben, dites-nous en commentaire si vous avez déjà goûté des Kellogg's de Funko Pop. Lesquels, si vous avez déjà goûté ceux-là ou d'autres. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager, de liker et... Surtout, abonnez-vous. Voilà. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.